Et c'était aussi par curiosité, mais aussi pour en connaître plus, de se dire bah, finalement qui sont ces patients décédés et quel est leur profil clinique, sachant qu'aujourd'hui, ce que je voulais vous dire en fait est ultra connu. Bon, bah, du coup, c'est un peu pour recontextualiser. Et du coup, on avait fait une publication sur justement le poids des comorbidités, donc le nombre d'années de vie perdues, parce qu'à l'époque aussi, il y avait beaucoup d'estimations sur le nombre d'années de vie perdues, sur ces patients, etc. Après, on a fait un deuxième travail que je vais vous présenter aujourd'hui sur les patients décédés durant la première année du Covid au CHU de Marseille et CHU de Nice, puisqu'on s'était dit, ben, est-ce qu'à Nice, ils ont les mêmes résultats que nous? Est-ce que finalement, on retrouve des résultats similaires? Puisque c'était aussi encore à l'époque où voilà, on n'avait pas toutes ces informations d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, je poursuis le travail avec l'IHU dans le cadre de la surveillance épidémiologique, où là, on fait vraiment le nombre de patients qui meurent et on regarde de près les patients de moins de 65 ans pour voir un petit peu comment ça évolue en fonction des variants, etc. Et donc, le deuxième travail est soumis à un journal. Donc là, en fait, les patients décédés, c'est juste. Bon, j'ai repris une carte pour vous montrer que quand même, c'est vrai que c'est un sujet, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de patients qui sont morts du Covid. Et que c'est vrai que c'est quelque chose qui questionne dès qu'on est en santé publique et comme on l'avait dit tout à l'heure aussi sur cette épidémie. Alors l'objectif de ce travail, c'était vraiment de décrire le profil socio-démographique et clinique complet des patients décédés. Donc nous, on n'a vraiment rien modélisé du tout, on est revenu vraiment sur les données cliniques et sur les dossiers des patients. On voulait identifier aussi les profils des patients qui étaient morts prématurément, c'est-à-dire avant 65 ans. Et on voulait comparer, mais on a fait des essais de comparaison sur les différentes périodes épidémiques. Mais maintenant, en fait, on a continué et donc on va voir que ça reste à peu près les mêmes patients, enfin le même type de patients. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a fait une analyse rétrospective de tous les patients qui sont morts dans les deux CHU de la région PACA. Ces patients, ils avaient été identifiés par le système d'information. Donc, dès qu'il y a un patient qui meurt, en fait, il est enregistré dans le système d'information de l'hôpital. Et ensuite, on est reparti sur les données cliniques du patient pour constituer une base anonyme, où on a recueilli, en plus de l'âge et du sexe, le mode de vie, s'ils étaient à domicile et en institution, le niveau d'autonomie, les comorbidités et le séjour intra-hospitalier, c'est-à-dire le mode d'admission. S'ils étaient passés en réanimation, etc. Enfin, il y avait beaucoup plus de données où ils étaient morts. Et en fait, on avait recueilli aussi la date de PCR positif pour pouvoir les mettre, enfin, pouvoir les positionner dans les différentes périodes. Et bien sûr, même si on a comparé les. On n'avait pas le variant, en fait, à l'époque. En tout cas, on n'avait pas encore. On n'avait pas individuellement récupéré le variant qui était concerné, ce qu'on fait maintenant. Donc là, c'est pour reprendre, donc c'est Philippe Colson, donc on reprend notre période étudiée. Donc vous voyez qu'on est sur la première vague et en fait, surtout le Marseille 4, on a été au début de la vague qui était sur le variant anglais. Donc 92 décès, donc déjà on a récupéré l'imputabilité, puisque c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que la personne, elle est morte du Covid ou avec le Covid? Donc on a regardé pour chaque patient si le décès pouvait être attribuable directement à la pathologie ou si c'est à l'occasion, puisqu'en fait, comme au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de tests PCR qui sont faits pour d'autres motifs d'admission. Et du coup, on voit qu'évidemment, en 2021, on a eu un peu plus de décès non imputables, mais qui restaient à peu près de l'ordre, vous voyez, de 8% à peu près de décès qui étaient non imputables au Covid et des gens qui avaient une PCR positive, mais qui n'étaient pas morts du Covid. Donc là, ça montre un peu les taux de décès. Donc on les voit par mois. Donc c'était sur les deux villes. On voit qu'on a des taux de décès qui sont de l'ordre de à peu près, donc au départ, de moins de 10%, sauf sur Nice où il y avait un taux qui était plus important. Et après, les taux de décès, c'est-à-dire le nombre de décès rapportés au nombre de patients hospitalisés, il est de l'ordre de 15% à peu près depuis le départ. Et aujourd'hui, on continue à le suivre, il est plutôt de l'ordre de 10%, mais ça dépend en fait des périodes. Et après, j'ai reporté en nombre absolu, puisque ça nous montre quand même le nombre de patients hospitalisés, et donc en orange, le nombre de patients qui sont décédés. Donc là, on regarde par rapport à l'âge, donc c'est quelque chose qui est connu, hein. Donc 82% des patients qui sont décédés avaient plus de 70 ans.
Donc on voit que ben, plus l'âge augmente, plus le nombre de la part des décès augmente dans ces tranches d'âge. Donc l'âge moyen est de 80 ans, plus ou moins 11 ans, donc minimum 22 ans et maximum 103 ans. Et cet âge moyen, il reste à peu près stable, même dans le suivi épidémiologique. Parfois, il est descendu à 77 ans. Et il s'agissait d'hommes dans 62% des cas. Et on avait 105 patients, donc à peu près 10% des patients qui décédaient avant moins de 65 ans dans cette période de cette première année. Et aujourd'hui, il y a toujours quand même des patients de moins de 65 ans qui font partie des décès. Donc des indicateurs indirects de qualité de vie. Donc là, on voit le degré, donc en bleu, donc la courbe bleue, c'est la perte d'autonomie. En orange, c'est le fait d'être grabataire, c'est-à-dire vraiment de ne pas du tout bouger. Et en gris, le fait de vivre en institution. Donc parmi les patients décédés, donc on avait la moitié des patients qui étaient en perte d'autonomie. Et donc on voit que c'est beaucoup plus important, mais on va le voir sur une autre diapo, en première vague, puisqu'il y a eu beaucoup de décès en EHPAD. On avait quand même 14% des patients qui étaient grabataires et 21% des patients qui étaient institutionnalisés. Et donc aussi, pareil, vous voyez d'ores et déjà que dans la première vague, il y avait beaucoup plus de ce type de patients qu'ensuite. Ici, c'est les comorbidités. Donc en moyenne, les patients, ils avaient quatre comorbidités, plus ou moins une, avec l'écart-type, plus ou moins une, deux comorbidités par contre. On a eu uniquement six patients dans tous les patients qui sont morts qui n'avaient aucune comorbidité. Donc il faut faire, enfin du coup, enfin juste, c'est pas pour minimiser, mais ces patients, en fait, il y a des patients qui étaient transférés, donc peut-être ils avaient des comorbidités qui n'avaient pas été diagnostiquées, mais en tout cas nous on n'a absolument rien retrouvé. Et sur ces six patients, il y avait cinq qui étaient moins de 65 ans et un qui était plus vieux, qui avait 70 ans. Donc la plupart des comorbidités, ben, c'est des comorbidités classiques, hein. On avait beaucoup de gens qui avaient de l'hypertension, des maladies cardiaque, des maladies, alors neurological condition, c'est toutes les maladies neurologiques, le Parkinson, etc. On avait du diabète à 30, à 30%, donc ce qui est à peu près cohérent. Des maladies respiratoires, maladies vasculaires, des cancers, donc des cancers, des conditions psychiatriques et l'obésité qui est vers 14%. Et on avait donc des maladies auto-immunes et des maladies génétiques. Donc le parcours de soins, il y a 75% des patients qui étaient rentrés par le service des urgences. Et ça, c'est assez surprenant parce que c'est resté enfin, ce chiffre, il est resté constant depuis le début, en fait, alors que la pathologie est mieux connue et que les modes de prise en charge évoluent, etc. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un peu moins d'entrées par les urgences. On avait 5,6 qui avaient été admis directement en réanimation de ces patients décédés. Et 26 qui avaient été transférés en réanimation durant leur séjour et deux tiers d'entre eux dans les premières 24 heures. On s'était intéressé à cette notion de premières 24 heures parce que ça veut dire qu'en fait ces patients sont arrivés dans un état critique et qu'ils ont été rapidement transférés en réanimation. Donc les caractéristiques des patients selon la période, donc je vais rappeler la période, donc en fait au niveau des âges, alors on voit quand même que le nombre de patients décédé n'est pas du tout le même selon les périodes, hein, puisqu'on a eu 226 en première vague, entre guillemets, et 480 et 374, sachant que ce n'était pas la fin. Et par contre, on a un âge moyen qui est à peu près équivalent. Et il y a eu, pour la première période, un tout petit peu plus jeune, mais il n'y a pas de différence statistique. Et par contre, là où il y a des différences, c'est que, vous voyez, les institutions, les patients décédés qui provenaient d'institutions étaient beaucoup plus nombreux en première période. Ce qui est aussi lié un peu à la crise des EHPAD, entre guillemets, qui après ont certainement mieux géré la situation. En troisième période, on a plus d'entrées aux urgences et on a eu beaucoup plus de transferts en réanimation dans la période 2. Alors, on a regardé un peu les spécificités de ces patients, entre guillemets, plus jeunes, qui sont décédés. Donc, il n'y en avait que 21 qui avaient moins de deux comorbidités. Donc, c'était des hommes et deux patients qui avaient moins de 40 ans. Et tous ces patients étaient admis aux soins intensifs, sauf deux qui étaient en phase terminale et qui souffraient d'une autre affection grave qui était autre que le Covid. Et parmi les patients qui étaient admis en soins intensifs, la moitié avait été admis très rapidement dans les 24 premières heures. Donc on a fait des modèles de régression, des analyses multivariées pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils avaient comme spécificité, ces patients. De moins de 65 ans, ben, en fait, on a fait un modèle où on prenait différentes valeurs de l'indice de masse corporelle qui, pour voir
en fait, pour le voir le point un peu de l'obésité. Et en fait, quand on prend quand on s'intéressait à ceux qui étaient en prenant en stratifiant sur l'indice de masse corporelle, on avait donc 6 fois plus, enfin ils avaient donc plus, ils étaient plus nombreux à avoir une maladie génétique. Enfin, en tout cas, le fait d'avoir une maladie génétique, c'était plus présent chez les patients qui étaient plus jeunes. Et ils étaient aussi nombreux à avoir des cancers métastatiques. C'était des gens qui avaient souvent des cancers et des maladies assez importantes. Ils avaient été, bien sûr, beaucoup plus nombreux à être en soins intensifs. Mais bon, comme les soins intensifs aussi, c'est lié au fait de l'âge, puisque du coup, c'est cohérent. Et quand on regardait par la stratification depuis 40 ans, ils étaient aussi 3 fois plus nombreux, de plus de probabilité de souffrir d'une obésité massive. On a fait une analyse en composantes principales. Cette analyse, en fait, c'est une analyse qui permet de projeter un peu des données et de voir un petit peu de façon exploratoire comment ces données, elles se regroupent entre elles, pour pas avoir quand on n'a pas d'hypothèse pas précise. Donc, en fait, on voit que donc on a 3 types de patients, enfin 3 groupes de patients. Donc, on a le premier groupe de patients qui correspond un peu plus à la première vague. C'est des patients qui sont très âgés, qui étaient en perte d'autonomie. Et qui étaient plutôt en institution, qui sont rentrés par le service d'urgence, qui sont plus nombreux à être morts d'ailleurs aux urgences dans l'UHCD, et qui avaient beaucoup de comorbidités plutôt neuropsychiatriques, AVC, hémiplégie, cardiologie. Donc ça, ce sont vraiment les patients institutionnalisés de la première vague. Au milieu, on a plutôt l'année 2021 où c'était des patients qui étaient en perte d'autonomie mais qui vivaient encore à domicile. Donc c'est ce qu'on appelle enfin, appeler les patients fragiles, c'est-à-dire des patients qui sont âgés, certes, mais qui vivent chez eux, qui commencent à avoir un petit peu une perte d'autonomie, mais qui vivent quand même comme vous et moi, enfin, qui sont chez eux, et qui donc vivaient à domicile, qui sont entrés par les urgences et qui sont décédés au cours de leur hospitalisation, et qui avaient des comorbidités, hein, d'hypertension, des problèmes rénaux, des cancers, diabète, dyslipidémie, thyroïde, et ça, c'est les plus nombreux. Et ensuite, on avait ce groupe de patients qui étaient plus jeunes, donc qui ont fait des séjours en réanimation de façon beaucoup plus nombreuse. C'est là où on retrouve nos patients jeunes et nos patients sans comorbidité, qui provenaient donc d'une autre hospitalisation, puisque bon, nous, on est un CHU, donc du coup, c'est des patients qui étaient transférés d'un autre hôpital, c'était nombreux à être transférés d'un autre hôpital sur nos services de réanimation. Et qui est entré donc par les réas, qui était décédé en réanimation, et c'est les comorbidités qu'on retrouve et qu'on retrouvait un peu dans l'analyse multivariée, la génétique, les pathologies auto-immunes, l'obésité, les problèmes hépatiques et comme facteur de risque le tabac. Donc voilà. Donc voilà un petit peu donc la description de nos patients décédés. Donc nos études, elle a montré que les patients décédés sont majoritairement des patients très âgés. La plupart d'entre eux souffraient de pathologies chroniques sévères. Et donc en fait, c'est là où c'est pas très très original puisqu'en fait c'est en accord avec tout ce qui est déjà publié dans la littérature qui montre clairement que le risque de décès dépend fortement de l'âge et de l'état de santé antérieur des patients. Et qu'on avait moins de 10% de patients de moins de 65 ans et uniquement 6 qui n'avaient aucune comorbidité, et qu'il s'agit des patients plus jeunes mais plus fragiles, mais qui tout de même, enfin voilà, on en a toujours qui meurent de moins de 65 ans aujourd'hui. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Ben, c'est que bien sûr les patients âgés et fragiles doivent être ciblés prioritairement par la vaccination pour limiter l'impact de la maladie. Si on considère que la vaccination limite la gravité de la maladie, et ça clairement je pense que c'est vraiment une cible prioritaire, mais aussi comme on travaille par rapport aux données qu'on a vues sur les parcours de soins, par rapport à l'entrée aux urgences et l'entrée rapidement en réanimation, donc nous on s'intéresse actuellement, donc on est un peu dans la partie recherche sur la partie pré-hospitalière en fait de la prise en charge des patients, donc on a un projet ANR qui est en train de se dérouler actuellement, où en fait on se dit ben il y a peut-être des gains, enfin une amélioration à réfléchir sur la prise en charge précoce et l'amélioration du parcours ambulatoire, puisqu'on a fait pas mal d'entretiens avec des patients et on voit qu'il y a quand même des parcours préhospitaliers qui sont un peu chaotiques en tout cas, et que probablement peut-être des gens auraient pu être mieux pris en charge ou mieux repérés. Et donc aussi travailler sur le repérage des patients à risque. Il y a pas mal de publications qui donnent des scores ou qui proposent des choses pour justement
voir ces patients ciblés, qu'on connaît un peu les patients d'essai qu'on connaît et qui sont ciblés et qui pourraient être probablement plus surveillés. Et même sans entrer dans la polémique des thérapeutiques, en tout cas, on pourrait avoir des dispositifs de surveillance, notamment le fait de leur proposer des saturomètres où il y a des surveillances qui sont faites. On voit des publications qui sont faites sur des systèmes un petit peu pour améliorer les prises en charge, pour être plus attentifs. Et parfois, d'ailleurs, même ces systèmes de surveillance, ils amènent plus d'hospitalisations, mais par contre, ils diminuent les décès, puisque les gens, du coup, ils peuvent avoir accès à l'oxygène ou des choses comme ça. Et donc, c'est sur ce quoi on est en train de travailler. Après, la mise en place du dispositif de surveillance, moi, je pense qu'il est important, puisque vous avez vu que selon les variants, en fait, aussi, les symptômes cliniques ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même encore qu'il y a quand même des patients morts. Donc, je ne voudrais pas. Aussi, ce qui est un peu gênant dans les présentations que je fais en général, c'est qu'on se dit, bon, bah, c'est des patients âgés, très comorbides. Donc, c'est vrai que ça, du coup, l'impact sur l'espérance de vie globale, elle ne se voit pas énormément, puisque ce sont des gens âgés. Mais malgré tout, quand on regarde les dossiers, quand on interroge les patients, et quand on interroge, enfin, quand on travaille avec des cliniciens, c'est vrai qu'il y a vraiment, pour moi, hein, je veux dire, un problème éthique qui s'est passé, parce qu'il y a quand même tous ces gens qui sont morts quand même dans des conditions très isolées, dans le cadre de la prise en charge qui était quand même où il n'y avait pas de visite, etc. Et en plus, comme disent les cliniciens, en fait, il y a quand même des gens qui ont 80 ans et qui sont tout à fait autonomes chez eux et qui, malgré tout, ont eu une fin de vie qui était assez sinistre quand même, comme on va dire. Et donc, du coup, je pense qu'il y a quand même vraiment une attention particulière à faire en termes de prise en charge clinique et de prise en charge ambulatoire, donc on travaille avec les médecins de ville, de généralistes, pour essayer quand même d'améliorer le repérage, d'améliorer la prise en charge et d'améliorer en fait ce parcours de soins global pour qu'il n'arrive plus aux urgences et qu'on ne se retrouve pas, si vous voulez, dans ce qu'on voit actuellement. Et c'est vrai que ce qui est bizarre aussi, donc c'est un peu un ressenti que j'ai, c'est qu'au départ on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé des morts et qu'aujourd'hui on n'en parle plus du tout, du tout, du tout. Et que donc il y a une espèce d'ambivalence un peu dans cette façon de gérer la crise qui fait qu'on en a peut-être sûrement trop parlé. Et moi je suis tout à fait d'accord avec M. Toubiana en disant que c'était très très anxiogène. Et nous quand on fait les entretiens, les gens ils ont eu très très peur. Et qu'aujourd'hui finalement c'est un peu banalisé alors que finalement c'est quand même quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Bien, je vous Merci. remercie. Dans la projection de ce qui sera dit demain, ni sans rentrer dans la polémique thérapeutique, je suis surpris qu'il n'y ait jamais, à propos de l'étude des malades qui rentrent à l'hôpital ou en réanimation, d'études précises concernant justement cette polémique thérapeutique, à savoir quels sont ceux qui ont été traités en ambulatoire précoce. Avec les molécules proposées, et disons depuis 2020, qui étaient proposées en mars 2020. Je pense qu'il y a une lacune, et je pense que si on avait accès à ces données, on aurait certainement des conclusions assez intéressantes. Voilà. Non, du coup, je sais que l'IHU, nous, enfin, ouais, mais d'une manière, et oui. Merci beaucoup d'être. Non, mais effectivement, mais du coup, c'est vrai que c'est possible à faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le système d'information, il n'est pas très, très opérationnel aussi. Et donc, ça demande vraiment du data management, enfin, de fusionner les. Et en plus de ça, c'est vrai que par rapport aux données préhospitalières, en fait, je pense qu'on n'a pas un système d'information qui nous permette vraiment. De récupérer des données préhospitalières et de les et de savoir vraiment ce qui s'est passé quoi. Les caisses d'assurance sociale, hein, oui, mais il faut quand même relier la consultation, la maladie et les médicaments et ça c'est pas si facile que une ça. Ouais, merci beaucoup d'être finalement parti des morts pour arriver à la pratique de médecine générale et au préhospitalier comme au post-hospitalier aussi dont on pourrait parler pour la vidange plus précoce des hôpitaux et des services de réanimation ou des services parfois garde des malades de manière prolongée, alors même qu'ils pourraient sortir en ambulatoire en ville, dans des services de soins de suite ou à domicile, dans des réseaux de soins bien construits.
Là, tu l'appréhendes par finalement une espèce de data-driven santé publique avec des analyses en composantes principales ou choses comme ça. Mais finalement, il y a aussi des méthodes qualitatives qui existent, que ce soit des focus group ou des groupes de, ou de l'analyse systémique qui existent déjà finalement dans les techniques qualité d'évaluation des parcours de soins qui arrivent finalement à la même conclusion. Donc là, on est assez content. C'est cette idée que, bah oui, si vous voulez que l'hôpital se remplisse moins, quand vous avez un événement traumatique qui existe à un instant T, que ce soit un arrêt cardiaque ou quoi que ce soit, vous allez regarder quels étaient les facteurs de risque en amont, qu'est-ce qui s'est passé dans le service, dans la ville, et qu'est-ce qu'on peut changer, quoi. Donc là, tu en arrives un peu à la même idée à la fin et pour trouver ces leviers de transformation-là. Est-ce qu'il y a une volonté de, ensuite de mise en place de ces pratiques constatées au sein de l'hôpital, au sein de l'assistance publique Alors ça, je ne sais pas. Au sein de l'assistance publique, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que bah, nous, on travaille sur ce sujet. Et après, on travaille avec le département de médecine générale. Et je pense que y a quand même pas mal de médecins généralistes qui cherchent, enfin, qui ont mis des sites en place et qui cherchent à faire une prise en charge. Mais après, moi, je peux pas dire au niveau politique et au niveau APHM. Moi, j'en sais strictement rien et je pourrais pas dire. Mais c'est vrai que de ce qu'on voit, nous, des entretiens qu'on a fait sur les parcours préhospitaliers, en tout cas, manifestement, il y a un grand champ. La place du médecin généraliste, elle n'est pas clairement définie, enfin, de ce que je pense, je trouve, et que tout le monde est un peu... en tout cas, que la prise en charge et le parcours de soins aujourd'hui, il est encore quand même à construire. Voilà. Et qu'il faut vraiment... au bout de 2 ans, oui, parce que... alors peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de thérapeutiques, ou peut-être parce que pas assez de thérapeutiques autorisées, etc. Mais clairement... ou peut-être parce que les médecins généralistes n'ont du mal à gérer l'oxygène à domicile ou qu'il y a besoin d'avoir accès au scanner. Enfin, il y a plein de problématiques. Donc, je ne pense pas que c'est une question de volonté, mais c'est une question aussi de nombre de cas aussi, hein, qui est très importante quand même, hein, malgré tout. Oui, merci pour votre exposé. Moi, j'avais une question par rapport aux 6 personnes aux alentours de 65 ans qui sont décédées sans comorbidité. Est-ce qu'il y a eu... une décision d'autopsie qui a été faite derrière pour savoir, et parmi les 105 décès, est-ce qu'il y a eu des autopsies de réalisées À ma connaissance, non. Non. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autopsie. D'accord. Dans les dossiers, moi, je n'ai pas vu ça, en tout cas. D'accord. Et est-ce que ça peut s'implémenter, ça, dans vos travaux au futur, éventuellement pour les... Pour les sans comorbidité, au moins parce que c'est intéressant de connaître qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que les patients sans comorbidité, il y a eu des éléments, peut-être il y a eu des recherches biologiques pour savoir s'ils avaient des profils particuliers, mais en fait il n'y a pas eu. En fait, il aurait fallu effectivement faire peut-être des autopsies. Et après, c'est un peu plus compliqué que ça aussi, parce que si vous voulez, selon la période, parce que c'est 6 patients, c'est sur 1 an. Mais entre le début de la prise en charge où on ne connaissait pas l'atteinte vasculaire, on ne connaissait pas l'hypoxie heureuse, etc., et maintenant où on connaît, on prend mieux en charge les gens, probablement il y a des gens qui, sans comorbidité, ne seraient pas morts aujourd'hui. Donc aussi, je veux dire, c'est pas linéaire, quoi. C'est une histoire qui... C'est pas les mêmes... Et c'est surtout ça. Je pense qu'il y a vraiment les sans comorbidité qui sont morts au départ... À mon avis, c'est pas sûr qu'il soit mort aujourd'hui, quoi. Non, parce que... Non. Donc là, c'est vraiment la description des patients qui sont morts dans les 2 CHU. Mais après, on peut se dire que ceux qui sont morts dans les EHPAD, c'est sûr qu'ils étaient comorbides et âgés. Surtout qu'ils n'ont pas été soignés. Non. Enfin, c'est surtout qu'ils n'ont pas été hospitalisés et ils n'ont bénéficié d'aucun soin. Allez, il faut qu'on passe à la dernière présentation. J'avais juste une question. C'était sur la conclusion, vous dites qu'il y a...